Dimanche, le président français a fait un détour par un restaurant de hot-dog conseillé par Barack Obama. Monsieur Obama, pourquoi lui avoir recommandé un restaurant de hot-dog ? Ah, vu l'état des finances de votre pays, mec, je l'ai envoyé dans le seul endroit où il pouvait payer l'addition. Ça va. Mais dans ma courbe originale, la température montait et le problème... Monsieur, non, laissez-moi finir. Non, je ne vous laisse pas finir parce que dans vous dites... Dans votre livre, non, malheureusement... Non, parce que vous mentez. S'il vous plaît, déteste, dans votre livre, je malheureusement... Alors, laisse finir Yannick Jadot. On aura peut-être bientôt des pchites d'une nouvelle génération. Il vient de constater que quand on administre de la testostérone aux femmes, eh bien, ça les rend courtoises et équitables et aimables. Vous voyez ce que je veux vous dire ? On est clairement dans l'hormone anti-mégère. C'est quand même une news, je veux dire, mondialement importante. Je démissionne pas. Je vais pas leur faire ce cadeau. Je les attaque. Je suis toujours présidente du comité Miss France. Mais attention, rangez les enfants, bouge-toi les oreilles. J'attaque en démol, c'est tout. Je vais pas accepter éternellement les filles qui se foutent les jambes écartées, qu'on trouve ça très bien, Secret Story, compagnie, et Valérie Beck qui fait du théâtre, qui dit défoncez-moi, qu'elle va faire du porno, il y en a marre. Hein. Entrez votre doigt à l'intérieur de vous, là, en crochet, juste pour toucher l'os pubien. Ouais. D'accord ? Eh bien, là, il y a une boule. Est-ce que vous la sentez ? Moi, je sens l'os. Et tu trouves pas de boule ? Cherche. Toutes les femmes qui bossent dans l'édition, à la télé, au cinéma, etc., sont toutes de très belles femmes. C'est fini l'époque de la journaliste compétente mais ignoble. Je pense que la femme d'ici, elle fait tout pour faire comprendre à l'homme de la rue qu'elle est convoitable. And breathe, you're really stopping.